Bonjour, alors dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer une cuisson de filet de volaille à la vapeur. Vous allez voir, ça va vous rendre votre viande un peu plus onctueuse. C'est pas mal non plus. Puis pour ceux qui n'ont pas besoin de graisse. Voilà. Pour ça, il faut ou un cuiseur vapeur, ou un truc comme ça, en bambou. Même avec une simple grille dans une casserole suffirait. Tout l'intérêt, il ne faut pas que ça ait contact avec l'eau chaude. Il vous faut. Et on fera une petite sauce champignon avec. Pour ça, il faut des champignons, je les ai ramassés. Donc il faut un blanc de poulet, quelques oignons, quelques herbes, un peu de crème pour la sauce, une casserole, de l'eau chaude que je vais aller chercher tout de suite. Et on attaque la recette. Alors, pour ça, j'ai donc l'eau chaude ici qui est en train de bouillir. Enfin, l'eau qui est en train de bouillir. Ça. Je prends le lobe entier. Je vais enlever un petit peu ce gras là, sur le côté qui ne sert à rien. Je vais le laisser entier, tel quel. Je le mets dedans, comme ça. Je vais rajouter quelques aromates. Avant, je vais peut-être saler et poivrer. On sale. Je poivre. Je rajoute donc ces petites rondelles d'oignon. Là, j'ai une petite branche de romarin. On pourrait mettre du laurier, du thym, ce que vous avez. Je vais mettre une petite de lamelles de champignons. Je vous rappelle qu'on va faire une petite sauce aux champignons derrière. C'est tout. On attend que l'eau boue. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà. Là, ça boue. On va descendre au frémissement. Je prends l'appareil, je mets dessus. Voilà. Et je couvre. Il faut que ce soit hermétique. Selon la taille de votre blanc de poulet, ça va demander plus ou moins de cuisson. Attention à la caméra. C'est entre 8 et 10 minutes. Celui-ci n'est pas très gros, il fait environ 150 grammes. Ça va demander 8 minutes. Je compte 8 minutes à partir de maintenant. Et on le garde au frémissement. Voilà. En attendant, on va préparer notre sauce cèpe. Vous allez voir, c'est pas très difficile. Pour ça, ici, j'ai une casserole avec une échalote. On va faire fondre. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Il y en a qui vont se dire, mais il n'est pas chez lui. Si, si, il est chez lui. On fait fondre ça. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, là ils reviennent. C'est pas la peine de leur donner trop de coloration. Ici et là-dedans, on va rajouter quelques cèpes crues, lavées, nettoyées. Alors on va les mettre. On va les faire revenir. On va les faire cuire un petit peu. Un petit peu, ça ne demande pas. C'est pas des champignons qui demandent beaucoup de cuisson. Il faut que ce soit cuit. Mais ça cuit très, ce que je veux dire, c'est que ça cuit très vite. On baisse la flamme et on laisse revenir ça. Quant à notre poisson, à notre volaille, ça suit son chemin. Voilà. On est pas mal. Alors, j'ai de la crème ici, crème double ou liquide comme vous voulez. Je mets dedans. On va laisser réduire ça. On va mettre un petit coup de sel. Du poivre et petite astuce, moi je rajoute, si vous avez un peu de fond de veau, je rajoute dedans.
Ça permet de mettre moins de crème, parce que votre liquide, votre sauce va épaissir un petit peu grâce au fond de veau. Et surtout, ça va donner un goût et une belle onctuosité. Voilà. On laisse ça au réduit. On laisse épaissir doucement. Voilà. Et voilà. Quant à notre filet de volaille, là on est à, vous voyez, on est à 8 minutes. Pour vérifier, c'est simple. On vérifie comme ceci. Même le champignon, il est bien cuit. Bon, moi j'arrive, là je peux vous dire qu'il est cuit. Au toucher comme ça, on sait qu'il est cuit. Voilà. Donc on arrête la flamme. On prend une assiette. En plus, vous vérifiez, vous regardez. Vérifiez, prenez ça, coupez dans la tranche. Puis si la cuisson vous convient, voilà, il est rosé, il est translucide à l'intérieur. 8 minutes, vous voyez, 8 minutes pour une pièce de 150 grammes. Ah, et c'est, il reste juteux. C'est ça tout l'intérêt en fait, c'est que grâce à cette cuisson-là, il ne va pas sécher comme dans une poêle, avec une, quand vous lui passez au beurre. Là, ça va rester onctueux. Puis avec la sauce que l'on va mettre dessus, qui est d'ailleurs prête, avec la sauce qu'on va mettre dessus, ça va vous faire un joli petit plat. Allez, on prend une cuillère. Et c'est rapide. Il y a un peu de préparation avant et en 8 minutes. Et en 8 minutes, c'est fait quoi. Allez, 10. Les petits champignons qu'il y avait là, je vais les récupérer. On va les mettre dessus comme ça, là. Magnifique. Ils sont cuits aussi, ils sont cuits à la vapeur. Je vais même garder ça. Je vais pas mettre ça par contre. Voilà. Allez, à vous. C'est pas compliqué, n'importe qui peut y faire.